Bonjour à toutes et à tous, c'est Asher, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le voyez, c'est une vidéo qui est vraiment différente de celle de d'habitude pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est pas une vidéo avec un objectif précis, mais il y a plusieurs objectifs. C'est un cadre un petit peu moins professionnel, un petit peu différent et un petit peu moins informatif. J'ai juste trois points à aborder dans cette petite vidéo qui s'adresse directement à ma communauté. Premièrement, un grand merci pour les 30 000 abonnés. Deuxièmement, l'objectif et mon voyage à New York, ma petite journée Bitcoin New York que j'ai prévu d'organiser et ce que ça engendre. Et dernièrement, un concours Ledger Wallet qui est actuellement actif en ce moment et qui peut permettre aux meilleurs traders d'entre vous ou aux plus chanceux, je ne sais pas, de gagner une Ledger Wallet Blue d'une valeur d'à peu près 270 €. Voilà, donc je commence déjà par les 30 000 abonnés. Merci à tous, en ce moment ça explose. On est à 30 000 abonnés, plus de 250 abonnés par jour. On a même touché des pointes à 500 abonnés sur une période de 24 heures. Merci beaucoup. Merci aux 1000 nouveaux j'aime qu'on a eu cette semaine sur Facebook. Merci aux 1000 nouveaux followers qu'on a eu également sur Twitter. Aux centaines de personnes qui nous rajoutent tous les jours sur Snapchat et qui nous débordent de messages. Désolé d'ailleurs si on prend un petit peu plus de temps à répondre à tout le monde. Mais avec tous les community managers, toutes les personnes qui me suivent et qui m'aident à vous répondre, on est vraiment à fond. Mais de temps en temps on commence à mettre un petit peu de délai car on a vraiment beaucoup de demandes et c'est un petit peu dur de répondre à tout le monde très rapidement en tout cas. Voilà, donc le deuxième point c'est l'objectif de faire une journée à New York où on va vivre que Bitcoin. Alors c'est pas vivre uniquement avec des Bitcoins pendant une journée sur New York, c'est pas tout à fait ça. L'objectif c'est de faire un trip dans la ville de New York et tout simplement de découvrir un petit peu l'écosystème du Bitcoin, 2-3 magasins qu'il accepte, peut-être découvrir des Bitcoiners et transformer un petit peu un trip dans la ville de New York, qui est un petit peu mon rêve depuis toujours, parce que New York, pour moi, ça représente la liberté, les États-Unis, ce rêve américain dont on nous parle tant à l'école, et c'est un petit peu mélanger un petit peu ça à mon monde préféré, qui est celui des monnaies virtuelles. Voilà. Alors, c'est parti d'où ? À la base, c'est Julien qui fait des vidéos également avec moi, qui en a déjà fait une sur les paris sportifs, je sais pas si vous vous en souvenez. Il a déjà fait un trip en Grèce avec moi, je m'étais bien entendu avec lui à ce moment-là, et il m'a dit ce que t'as fait à San Francisco, bah, c'était pas cool, parce que bah, même si t'as essayé de contacter Coinbase et Kraken, t'avais dit que t'essayerais de faire une interview ou de les visiter, mais ils ont pas répondu. Bon, différentes réponses, Coinbase, impossible de les joindre, Kraken, pour des mesures de sécurité, ils ont pas pu me recevoir, et c'est ce qui a fait que j'ai pas pu faire ma vidéo sur San Francisco comme j'aurais voulu le faire, et donc j'ai gardé cet objectif et il m'a dit bah, tant qu'à faire, on avait prévu d'aller au Mexique dès qu'on avait 5 jours de vacances, eh bien on prend 3 jours et avant d'aller au Mexique, on va à New York et on se fait une vidéo spéciale sur ta chaîne YouTube. Je suis ton caméraman, il s'est improvisé caméraman, il m'a dit je vais te filmer et on va essayer de se faire un petit truc sympathique qui mélangerait un petit peu notre communauté, nos abonnés et cette capitale qui pour moi est la capitale du monde de business, du moins c'est ce que j'entends quand j'entends États-Unis, trading, pour moi je sais pas pourquoi, c'est New York qui revient tout de suite, c'est cette grande ville américaine, ses grandes capacités et voir ce qu'on peut tirer du Bitcoin là-bas. Donc voilà, donc ça engendre certaines choses, ça engendre des coûts en plus, parce que moi je lui ai dit, on a déjà réservé pour le Mexique, en plus de ça, si on prend Airbnb, avion, qu'on doit acheter une caméra, ça va commencer à faire des gros frais. Et donc Julien, il m'a dit, bah écoute, tu vas faire quelque chose que t'as pas l'habitude de faire. Et moi, ça m'embête un petit peu, mais je pense qu'aujourd'hui, je peux me permettre de faire ça. Je vais mettre un petit moyen de me tips pour ça, d'accord? Donc je sais que ça correspond pas trop à mes valeurs. D'habitude, je le fais pas. D'ailleurs, quand il y en a d'entre vous qui me contactent et qui me proposent de faire des dons, je vous redirige vers le groupe des investisseurs, qui est en fait un espèce de groupe de traders sur lequel on peut faire des dons pour investir sur le web. Là pour le coup je vous donne mes adresses à moi, donc c'est des adresses de crypto-monnaie, donc c'est public, tout le monde peut voir ce qui a été donné. Vous pouvez me faire un petit quelque chose, un petit 5, un petit 10 €, ce que vous avez envie, d'accord, ce n'est pas obligatoire du tout, quoi qu'il arrive, j'irai faire cette vidéo à New York, j'irai faire ce trip, je m'achèterai une caméra avec mes fonds s'il le faut, il n'y a pas de problème, c'est juste un petit moyen pour certains d'entre vous qui le souhaitent de participer à cette petite aventure qui aura lieu d'ailleurs et qui va commencer le 17 octobre et pendant 2-3 jours on sera à New York là-bas et on vous fera des vidéos sur le Bitcoin dans cette ville justement. Donc voilà, je vous mets des petits QR codes à l'écran, Litecoin, Bitcoin, Ethereum, il y a même une adresse PayPal. N'oubliez pas de m'envoyer un petit email si jamais vous faites un don, d'accord, sur contact@asher.com. Je vous remercierai, j'afficherai en commentaire votre nom avec des remerciements, d'ailleurs vous serez dans la vidéo, il y aura un petit moment où je mettrai les noms des gens qui m'ont soutenu là-dedans pour acheter cette caméra, surtout parce que c'est vraiment le principe hein, d'acheter une nouvelle caméra qui va me permettre de faire des vidéos d'un peu meilleure qualité parce que j'en ai marre de cette webcam qui m'oblige à être dans une pièce fermée et connectée à un ordinateur. J'aimerais avoir une caméra indépendante et je pense que c'est le moment de le faire.
Et donc bon, quitte à acheter une caméra, en acheter une bonne et sortir 1000 ou 1500 euros aujourd'hui, c'est encore une grosse dépense pour moi et c'est pour ça que je me permets de vous faire un petit clin d'œil. Mais n'oubliez vraiment pas que c'est pas obligatoire et ne vous sentez surtout pas obligé. Ce n'est pas mon objectif, ce n'est pas important et même si j'apprécie, ce n'est absolument pas nécessaire. Voilà. Un petit truc en plus que Julien a eu cette idée. Toutes les personnes qui font un don de plus de 25 euros, on leur écrira une carte directement avec des remerciements de ma main, bien entendu, et je leur enverrai cette carte de New York. Je m'engage à leur envoyer une carte de New York et le plus gros donateur, il sera dans la vidéo et je l'appellerai au téléphone quand je serai au pied, ou du moins le plus proche possible, de la Statue de la Liberté. C'est pas grand chose, c'est un petit clin d'œil, c'est juste pour remercier les gens qui se sont en quelque sorte joints à l'aventure et qui nous ont donné un petit coup de pouce dans ce milieu-là. Le tout dernier point de cette vidéo, c'était à propos de la Ledger Wallet. Alors comme vous le savez, Just Mining est une entreprise qui vend des machines spécialisées dans le mining de monnaie virtuelle. Une entreprise qui a démarré en fonction des idées des abonnés de cette chaîne. Et l'entreprise a décidé, le directeur marketing a décidé de lancer une petite campagne de communication sur les réseaux sociaux qui mettait en jeu une Ledger Wallet Blue. Donc c'est la plus grosse Ledger que propose actuellement l'entreprise. L'entreprise Ledger Wallet, c'est une clé qui fait à peu près 280 euros si vous voulez l'acheter sur Amazon ou sur d'autres sites. Et ce qui fait qu'on a décidé de la mettre à gagner sur Facebook et Twitter sur les réseaux sociaux de Just Mining que je vous affiche à l'écran. Suffit de faire un retweet ou de faire un partage et de donner l'estimation du prix du Bitcoin, donc en gros une prédiction. Comment est-ce que vous voyez le prix du Bitcoin au 30 novembre, ou en gros au 29 novembre à 23h59 pour ceux qui hésitent. L'abonné ou le trader ou je sais pas qui, le groupe qui sera le plus près de cette valeur-là en fonction des pronostics qu'ils vont mettre en faisant le partage, recevra tout simplement cette clé-là. On regardera au 30 novembre qui est le plus près et on enverra la clé à la personne qui a vu le plus juste dans sa prédiction. Petit truc à savoir, faut participer avant le 10 novembre, bien entendu. On ne peut pas participer 10 minutes avant, sinon ce serait beaucoup trop facile. Voilà, c'est Asher, j'espère que cette vidéo vous fera un petit plaisir quand même. Merci encore pour les 30 000 abonnés. Merci de concrétiser tous ces rêves que j'avais derrière la tête et qui se développent aujourd'hui avec vous. Merci de me suivre, toujours plus nombreux. N'hésitez pas à poser vos questions. On a un petit peu de mal, on est à la ramasse, mais on vous répond sur tous les réseaux qui s'affichent à l'écran et que vous voyez en commentaire. Je suis pas tout seul, on est une équipe. Et si vous avez envie d'en faire partie et que vous êtes prêt à répondre aux gens et que vous vous sentez qualifié, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email, je vous répondrai et si vous êtes qualifié, vous nous rejoindrez pour répondre au plus grand nombre. Le but, c'est vraiment d'ouvrir la blockchain, les monnaies virtuelles et de développer des projets autour de cet univers et de cette technologie qui, je pense, n'en est qu'à ses débuts, tout simplement. Je vous remercie, c'était Owen et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo et puis d'ici un petit mois, on se reverra peut-être à New York. Au revoir.